Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, il te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie, en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu mettras beaucoup à de nations. Tu n'en porteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Homme, venez. Bon. L'assemblée devait de vous que par la puissance de Dieu veut se manifester. Amen. Voici maintenant. Oh Jésus. Tu es la tête, non la queue. Tu es la tête, non la queue. Tu es la tête. Dans la queue. Car le Dieu Tout-Puissant veut se manifester. Le Dieu Tout-Puissant veut se manifester. Le Dieu Tout-Puissant veut se manifester. Il a promis à Isaac, il a promis à Abraham. Mais on en a été obéissant. Mais toi, au moment, tu n'as pas été obéissant. Mais aujourd'hui, voilà toutes tes obéissances qui tournent dans l'obéissance. Voilà tout ton naturel qui tourne dans le sens surnaturel. Voilà tout ce genre de perfection qui touche dans les perfections de la perfection. Au nom de Amen.